Yo la fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec l'équipe Bombard Media now là depuis Bombard Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodia nous parle vite au côté Merita Bala, ni Simon qui parle bail dernier détail sur développement programme y a fait dans communauté ça. Mais avant nous faire ça, équipe Bombard Media now là, voulait remercier tout le monde qui toujours branché Bombard Media now pour information pays. Et yon gros merci ma avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous positif ou bien négatif. Ici dans Bombard Police, équipe Bombard Media now là, nous apprécier ça. Et si c'est première fois visiter nous information nous partager intéressé, pas oublier abonner avec Bombard Media now et puis ouvrir chaîne notification, ça permet de faire partie équipe notification Bombard Media now là. Et bien nous va perdre temps, n'a déroulé avec information yo en ouais. Merita Bala ni Simon ak soutien PADF, OEA, USAID lancé programme développement communautaire participatif dans commune ça. Ces informations ça nous porte pour nous pas perdre temps, n'a commencé pour lié à au nom de Tabawa et Tabawaz et au nom de, du conseil municipal de Tabar, je tiens à remercier l'OEA et le PADF qui ont pensé à insérer Tabar dans ce programme. Un programme qui vise non seulement à la création d'emplois, mais aussi à la sensibilisation sur le COVID-19 et sur la question de propreté dans les quartiers. Et je sais, bon, nous le savons tous, que Haïti vit dans une situation particulièrement difficile économiquement. Les familles qui seront les bénéficiaires, les quartiers également, seront très, très reconnaissants. Merci. Ma parlé pour moun que m'a wèyo et que bien c'était dit moi quoi que attendez moun qui bénéficie yo dans quartier que nous pral faire programme nous pral entamer programme ça. Programme nan c'est qui s'allier, c'est un programme que en partenariat que nous gagnons avec OEA à travers PADF. PADF que nous habitué travailler avec déjà, nous font pile travail avec PADF. Moi, je remercie PADF pour le travail que nous faisons déjà. Nous faisons plan de développement communal que nous avons fait. Nous avons Carrefour Rita qui toujours c'est un problème que nous travaillons sur lui actuellement qui n'est pas fini. Et nous avons deux trois autres programmes sur question de formation que nous faisons avec PADF. Et PADF promet que nous continuons de travailler ensemble avec nous. Et je pense que PADF c'est un plus bon partenaire que nous gagnons dans la question municipalité, dans la question de développement au niveau communal. En programme ça, c'est qui s'allie. Avant, nous t'ai accentué pour nous être capable de faire un programme d'assainissement dans tout quartier avant que le coronavirus n'ait rentré en Haïti. Avec Corona, nous changeons totalement le programme. Non? Nous pouvons faire non seulement la faire programme quartier, nettoyage dans le quartier, mais nous pouvons faire aussi sensibilisation avec les jeunes. Nous avons matériel qui est capable de faire sensibilisation. Chers amis, laissons récupérer des actions coordonnées comme celles que nous lançons aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Il faut agir vite et bien. Il faut continuer à sensibiliser tous les Haïtiens et Haïtiennes pour qu'ils puissent appliquer des règles de hygiène et des gestes barrières face au coronavirus. Il y a toujours les trois points principaux. Le lavage de mains, le port de masque, le respect de la distanciation physique. Nous devons rester en santé et vivant pour continuer la lutte en faveur du peuple et des générations futures en Haïti. Je voudrais dire un grand remerciement de la part de la Fondation américaine de développement et de l'USAID pour l'opportunité de servir avec vous pour la communauté. Merci. Merci, madame. De lancer cette activité de développement communautaire, c'est une réflexion qui date de longue date déjà, et bien sûr aujourd'hui avec ce Covid,
qui nous touche tous, on a commencé à faire pas mal de choses au niveau communautaire. Alors pourquoi au niveau communautaire? La commune, c'est toujours quelque chose de très important pour nous, pour l'OEA. C'est le représentant avec lequel la population se sent toujours le plus proche. C'est chaque fois qu'on a des problèmes, c'est le maire qui est en première ligne, on dirait toujours, de cette bataille politique. Et c'est pour cela que nous avons toujours pensé à renforcer les capacités à ce niveau-là. Tout aujourd'hui encore plus important, le fait qu'on a une crise dans le pays, la population se tourne aux élus. Et pour cela, nous renforçons nos efforts. La crise qu'on a en ce moment, cette crise du Covid, c'est une crise bien sûr sanitaire, d'où la nécessité de faire des actions particulières. Toute ville, c'est toujours parler de monde, l'importance que le monde veut bien. Et nous avons une bonne temps, c'est-à-dire le monde en soi qui a un bon temps depuis nous perdu essence la vie. C'est-à-dire que et Covid-19, pour moi-même, m'a pas laissé regarder dans le bon côté, parce que de toute façon, l'existait, nous ne pouvons pas ignorer ça. Mais c'est peut-être une occasion que le monde a bien pour lui re-questionner. Parce que nous dans le monde, on est grand médecin dans le monde, qui a fait des grands exploits, qui a voyagé sur la lune, qui a fait mille bagages. Mais nous rendons compte qu'aujourd'hui, le monde est à genoux, nous à genoux à cause de yon virus. Donc c'est peut-être une plus bonne occasion pour le monde de re-questionner. Pour questionner des gens. Parce que je dis à plus grand service pour qu'on ait un monde, c'est le salaire à pied. C'est le salaire à pied pour un grand service, bizarrement. Et nous sommes contents de participer dans le projet là, je salue M. Cristobal, merci. Nice, amen. Yes, Nice Simon. Et puis, Madame de la House, c'est toujours un plaisir pour nous collaborer. N'est-ce pas, pour lui faire collaborer. Mais c'est encore une façon pour bien se dire nous, ça qui est important dans la vie, c'est nous. Ça qui est important dans la vie, c'est nous. Et donc, c'est pour ça que je vous ai dit, nous, prenons précaution pour éviter tout. Prends précaution pour les voisins, prends précaution pour les familles. Et précaution en semaine salaire qui s'allie l'éclair, c'est laver même à chaque fois que vous êtes capable. Pour bénéficier des secondes. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour être capable de des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec la chaîne. Non? Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.